sommes bel et bien sur la rivière Néro. Dans cette rivière, il n'y a pas de crocodile, il n'y a pas d'hippopotame, il n'y a pas d'un truc dangereux. On a seulement des poissons, des écrevisses ici. Ici, à ma gauche, la forêt de Butte, là, c'est une superficie de 13 hectares. C'est dedans se trouvent les singes. Là. Les singes ne vont pas toucher ton téléphone, ni ton chapeau, ni tes lunettes. Avant, il y avait des singes, mais on ne pouvait pas les avoir comme ça. On pouvait remonter toute la rive de 14-15 km sans avoir un seul singe. Donc les villageois ont décidé de ne pas chasser les singes. Vous voyez ce saut qui est accroché là? Le saut a presque au moins 30 ans ici. Depuis les dévoncés, ils ont accroché le saut. Chaque matin, ils achètent de la banane, ils viennent mettre ça dans le saut. Aujourd'hui, ça fait 30 ans aujourd'hui. Les preuves. Aujourd'hui, voilà ça, les singes n'ont plus peur. Quand les clients arrivent, on les appelle, ils viennent. Et même, tu les as vus tout à l'heure, les monter dans la pirogue pour prendre sa balame. Donc, c'est comme ça ici. Il y a des Marocains qui viennent visiter les sites. Avant, j'étais avec un groupe, ils sont partis avec mon numéro. Et ils ont donné mon numéro à leurs frères aussi. Hier, ils m'ont appelé et on était ensemble. Tu sais, ils ont aimé ça. Tout ce qu'on a fait, ils ont aimé. Et si nous sommes en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, le peuple pour... Nous, on accueille plein d'hommes ici. Donc, ce que moi, j'aimerais dire aux Marocains, il n'y a pas de problème ici. Ils peuvent venir chaque jour, ils veulent. Ils peuvent venir faire la visite des singes. Même, on peut les amener à Monongaga, à Tabaoulé et à Cascade. Je vous remercie.